Bonne nouvelle pour tous les Haïtiens, soit qu'ils vivent à Haïti ou bien à l'étranger. Gouvernement haïtien ou bien gouvernement Ariel Henry li actuellement à travail pour résoudre le problème d'identité haïtien. Ils ont fait mettre sous pied actuellement une plateforme qui fait demande passeport ou bien carte d'identité en ligne. C'est une bonne nouvelle, en vrai. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Djoubi. Nous sommes avec nous aujourd'hui pour nous porter une autre vidéo. Ça fait plaisir lorsque nous sommes connectés ensemble avec nous. Ça va nous plus engouement pour nous chercher pour nous. Merci à vous-même qui appelez le jeune canal ça, Djoubi Création 609. Ou bien tomber, c'est Canal 4 et DO été connectés en matière de la nouvelle technologie. Merci pour l'attention, merci pour l'amour, pour Djoubi Création, merci pour le support qui est au côté à Chabella. On va payer une grande chaque jour. Donc, beaucoup de chapeau bas pour nous tous. Jean qui nous dit nous ça, le gouvernement haïtien, l'Assemblée, le fait un goal donc, et pour résoudre le problème qui vient dans l'immigration actuellement, pour le monde capable de faire passeport et pour le monde tout capable de faire carte d'identité. Actuellement, ce n'est pas facile, surtout aussi au Haïti. Et donc, au Haïti, on connaît ça pas facile pour jeunes, une pièce d'identité. Passeport est plus difficile actuellement par rapport avec l'avantage que les États-Unis offrent avec Haïtiens. Surtout Haïtiens qui n'ont pas de passeport, là, les villes plus difficile pour nous joindre passeport ou pour jeunes services d'identité à Haïti. Et bien, le gouvernement Ariel Henry actuellement, pour plus à travail, sur une plateforme qui relève Demidoc, j'en ai regardé là. Donc, nous allons mettre le site là dans la description de la vidéo, c'est www.demidoc.gouv.ht. Donc, le monter sous lui, ok, le monter sur site ça, donc libre accès, mais comme on paraît, ok, le monter sur site ça, mais à partir du 10 avril, qui est venu là, c'est lundi, il n'y a pas de recevoir mon immigration. Si vous avez autorité haïtienne, donc si vous n'avez pas gagné, yon rendez-vous dans le monde. Et bien pour gagner rendez-vous, ça obligé, prends sur le site ça que nous disons là, qui c'est Demidoc, obligé de monter sur lui. Et là, il va sur lui, donc c'est mon passeport, ou obligé de gagner un thème passeport là, parce que actuellement, le fait nous connaître, le thème là pas facile, et donc il faut thème dans l'arrière, obligé de faire forme thème blanc, et puis là, il va là, ou va faire demande passeport. Donc, si vous demandez un passeport, ce n'est pas un passeport pour payer là ou bien pour mettre toute information là. C'est un rendez-vous qui est placé ici. Libre accès pour capable faire demande, carte d'identité ou demande passeport. Jean qui le dit sur ce plan, donc vraiment c'est exactement comme ça lié. Mais comment ça lié? Libre accès pour prendre rendez-vous. Même si on est capable de prendre rendez-vous pour un visa dominicain ou de rendez-vous pour l'ambassade. Donc, c'est exactement ça lié sur le site. Ça. Lorsqu'on prend rendez-vous, vous mettez toute information personnelle. Donc, on a là où on imprimer rendez-vous ça et puis pour capable aller ensemble avec lui dans l'immigration. Donc, il est là. Ok, on dit demande. Ok, on clique sur demande. On va sur demande qu'on a là, ici, qu'on va mettre information personnelle. Ou à l'emprise tout cas, ou mettre information personnelle. Après ça, on soumettre avec la plateforme. Et puis, on va soumettre donc qu'on a là, la box est pour télécharger. Et puis, on va capable de télécharger rendez-vous. Et puis, pour capable et aller en dans l'immigration avec rendez-vous imprimé dans la main, avec un passeport en main, avec matricule fiscale, ma connaît avec la pièce d'identité qui est importante pour capable faire passeport ou avec le même avec rendez-vous imprimé selon 10 autorités haïtiennes et puis pour capable à déposer passeport en dans l'immigration. C'est pas déposer déposer passeport sur site là, non, c'est rendez-vous à prendre sur site là, mais c'est dans l'immigration. Alors vous faites comprendre que donc yo fait ça yon façon pour capable diminuer quantité de monde qui a gagné dans l'immigration. Si vous n'avez pas gagné rendez-vous dans la main, ou pas capable
jouer un service en dans l'immigration. C'est à partir des rendez-vous pour être capable d'entrer en dans l'immigration pour jouer un service. Il y a un moment de ce que le service est fiable jusqu'à présent. Je ne sais pas. Et pas oublier, il y a un mois de décès jusqu'à maintenant. C'est lundi qu'il est venu là, là en vigueur jusqu'à présent. L'application pour Ocadimon, est-ce que le service est fiable? Donc jusqu'à présent, j'en dis là, il est en mode décès. Mais on pense que c'est un bon bagage. Mais est-ce que c'est la meilleure solution? Bon, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas jusqu'à présent. Parce que quand c'est que nous connaissons qui a un problème passeport, parce que la semaine dernière, il y a un monde qui dit que nous avons pendant deux fois les descendants sur la rue, hein, la dormi. Ok? Donc levé 4 heures, 3 heures du matin, pas passé. Il n'est pas passé. Il y a un autre monde qui est encore là, il fait toute semaine. Là, donc là, vous-même, pour être capable de signer un passeport, il n'est pas aussi facile jusqu'à maintenant pour être capable. Qui donc, il y a un moment donné, est-ce que le service est fiable? Moi, pas connu. Donc on est là, en tellement haut, tout ça, moi qui est bon pour nous, m'a porté le bon. Moi, je vais suivre toute mise à jour qui gagne sous délit. Donc là, m'a fait le bon. Même si c'est l'étape bon, l'étape bon, mais est-ce que nous, vraiment en mesure pour répondre avec tout ça qui va venir après eux. Est-ce que vraiment c'est du service fiable? Parce que nous connaissons pas d'internet, nous pas d'internet internet la caille nous, pour quantité de monde qui a besoin de passeport actuellement là, qui va monter sur site ça, est-ce que vraiment nous avons en mesure pour nous répondre? Et est-ce que avec une quantité d'argent pour travail, pour bailler une réponse. Est-ce qu'il y aura un autre problème encore? Donc ça, c'est des interrogations que nous-mêmes avons pété, mais jusqu'à présent, nous pouvons connaître. Mais cette fois, toute disposition va prendre pour nous donner un rendez-vous bien facile sur ce site-là. Bah, c'est un bon bagage parce que et, actuellement, là, le passeport fait 10 000 dollars haïtiens, 10 000 dollars haïtiens et plus. Ok? Donc, bah, c'est si tout faut rendez-vous, il va tout comme ça. Parce que c'est une initiative qui est bonne pour les Haïtiens. Parce que les gens qui ont besoin de passeport, mais ils ont 10 000 dollars. 10 000 dollars, c'est quelque chose. C'est 4 000 gouttes. Parce que les gens qui n'ont pas gagné, ils ont besoin de passeport, mais quand même, ils font des sacrifices. Ils ont besoin de ces 4 000 gouttes là. Mais s'ils prennent rendez-vous sur ce site, vraiment, ils l'ont arrivé. On a même problème. Mais encore, est-ce que l'ont arrivé comme il y a là? Donc, est-ce que pour les Haïtiens, on ne va pas rendez-vous là, mais on ne va pas entrer? Et il y a des gens qui parlent de développement, qui parlent de rentrer les jeunes là avant. Donc, est-ce que y a des mesures qui prennent pour gérer tout ça? Alors, si vous avez rendez-vous, est-ce que vous êtes capable de rentrer? Je dis mon fois, attendez la radio, il y a des gens qui passent sur Internet, il y a des gens qui parlent de nouvelles là. Qui mise en place, qui prend vraiment pour nous capables d'éviter, je ne vais pas répéter. Vous voyez, si vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'avez pas de service. Ok? Mais nous, on est en Haïti, on n'a pas d'accès à Internet. Ok, maximum, nous avons à Haïti qu'on a la saison grâce à Dicel pour qu'on téléphone à nous. Mais malgré ça, nous commençons à y aller à la caille. On a eu un téléphone intelligent à nous, mais pas qu'on est sur Internet là, mise en place. Quand on a beaucoup de haïtiens, nous pas qu'on est. Pas qu'on est. Mais quand même, si le fait, c'est à Dieu, non, et bagaille qui est mérité pour nous battre applaudissements pour lui. Mais autre bagaille encore pour nous penser. Des gens, nous connaissons la quitter toujours là, parce qu'il faut comme tout va le faire. Des gens, je vais m'apprendre, 3h du matin, 2h, 4h du matin, 3h du matin, qui est dans la ligne là, qui n'a pas besoin de passeport. Qui n'a pas besoin de passeport. Bon, c'est ce matin ici, mon cher, on t'apprend des bons quand même pour le faire, mon genre, pour venir ici, parce que ici, c'est trop intelligent. On n'a pas besoin de passeport, mais il y a 3h, 4h du matin, pour le quitter en place, ou même qui vient en retard, il vend en place là. C'est un état talent pour moi, il faut que c'est haïtien pour nous parler. Et donc, si l'État prend toute disposition pour permettre la plateforme ça bien gérer, pour lorsqu'on monte sur le même, ou faire des demandes, ou joindre, ou placer rendez-vous, et puis, ils répondent à temps, et puis ils arrivent en temps d'immigration pour tout garder, pas de problème, c'est une bonne initiative qui mérite pour nous battre un petit applaudissement. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, merci pour l'amour, merci pour la confiance que vous faites nous. Nous allons tourner encore une autre vidéo plus récente et performante. Ciao!